Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça vous dit quelque chose? J'adore. J'ai chaud sous mon masque là. On est en train de faire des photos en mode Casa de Papel parce que c'est aujourd'hui la sortie et ce soir, enfin nous on est trop fans donc ce soir on va regarder. Et en attendant, bah, cet après-midi on s'amuse à s'habiller comme eux et à prendre des photos assez sympas pour Insta, TikTok et tout. Ah, tu ressembles trop, j'adore. Il y a Ah, c'est quand même impressionnant. un vrai air du professeur, franchement. Bon, voilà, un petit peu grande la combi, mais c'est pas grave. C'est parti, on va faire les photos. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez aussi cette série. Nous, on est absolument fans, on adore ça, donc vivement ce soir. Bon, je voulais vous montrer aussi sur le blog ce matin, j'ai travaillé, enfin sur le blog, j'ai travaillé un fond d'écran que je voulais en fait personnellement pour moi, pour mon ordi. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas vous le partager sur mon blog, comme ça vous pouvez le reprendre pour vos ordinateurs. Donc voilà, j'ai fait avril avec des petites fleurs dedans, le calendrier, et je trouve ça super sympa. Donc je l'ai mis sur mon blog, je vous mets l'adresse du blog dans la barre d'infos si vous voulez aller récupérer le fond d'écran et puis le mettre du coup ben, sur vos ordi. Voilà, je vous l'ai mis en dispo. Et je me dis pourquoi pas vous faire un fond d'écran comme ça tous les mois, ça peut être sympa. En tout cas, enfin je sais pas, l'idée m'est venue comme ça ce matin d'un coup et j'espère que ça vous plaira. Bon, je viens de faire des gaufres pour le goûter. Et je pense qu'on connaît toutes, hein, la fin. À la fin, quand il n'y a plus assez de pâte, mais on ne veut pas en gâcher une miette. Donc, ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave. On va se régaler. On fait bravo? Bravo, Bravo, il est 20h. On fait bravo. Bravo. Allez, fais. Tu applaudis? Le rituel. Bravo! Viens, Gabin, viens. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, grand soleil, enfin voilà, ils annoncent un week-end hyper ensoleillé, donc on est trop contents. Du coup, on joue dehors avec Gabin. Bon, là, il vient de rentrer. Mais regardez-moi un petit peu le bazar dehors. Voilà, il y en a partout. Mais bon, on rangera après quand il fera sa sieste. Là, il y en a mis là. Il y a tout installé ici, ces petites voitures. Et puis, ben Greg vient de tondre la pelouse. Bon, petit goûter. Et ce matin, en fait, comme tous les samedis matins, mon père va sur le marché chercher des fruits et des légumes pour la famille. Et du coup, il nous a déposé des fraises. Trop contente. Et du coup, je me bois un thé. D'habitude, je le bois le soir et j'aime bien un petit café l'après-midi. Mais je suis dégoûtée dans le drive de ce matin. J'avais commandé du café et puis ben en les récupérant. Dans les articles manquants, eh bien, il manquait le café et la farine. Voilà, les deux choses hyper importantes. Enfin, surtout la farine. Je suis dégoûtée parce que j'en ai pas depuis le début du confinement. J'arrive pas à en trouver dans les drives. Je pensais enfin avoir réussi à valider dans mon panier de la farine et finalement, eh bien, toujours pas. Bon, je me suis quand même maquillée aujourd'hui. En fait, je vous ai filmé un petit tuto make-up que j'ai posté sur Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez me suivre là-bas. Je vous ai posté le tuto make-up que je fais un peu tous les jours avec mon rouge à lèvres favori du moment. Je l'adore, il est trop beau. Et puis un crayon pour les yeux qui est trop bien. Je vais, voilà, du coup, j'ai plus qu'à tout ranger parce que c'est un peu le bazar sur la table. Du coup, j'ai filmé avec le pied. Et puis voilà, je me suis servi de ce qui est là. Et puis, entre-temps, là, il y a Greg qui est en train de préparer un peu le jardin vu qu'il fait beau. Et on va remettre les potagers. On a des potagers sur pied. Et bon, ça c'est pas bon, les potagers, c'est à easy. Mais voilà, on va essayer de faire pousser donc de la mâche. Là, c'est pour la tortue, parce que les tortues adorent ça, de la mâche ou de la roquette. Des radis, des carottes, mais du coup des petites, parce que comme ce sont des pieds, des bacs sur pied, enfin, il n'y a pas beaucoup de profondeur, c'est pas en pleine terre, et du coup, ben, des grandes carottes, ça ne pousserait pas. Du coup, on va tenter des petites carottes comme ça. Et puis des... Et là, du coup, des fraises et des tomates. Voilà. Du coup, les pieds, c'est ça, les bacs sur pied. Bon, faut les nettoyer un bon coup parce qu'ils ont passé l'hiver dehors. Ça fait déjà 2 ans ou 3 qu'on les a. Je sais pas ce que ça va donner cette année parce qu'à chaque fois qu'on essaye de planter des choses, il n'y a jamais rien qui pousse. On n'a jamais réussi à faire pousser des trucs, donc,
On va essayer une troisième fois, hein, jamais 203. Qu'est-ce que tu cherches, mon chien? T'es sur une piste? T'es sur une piste? Qui c'est qui a fait un gros dodo? Cucu? Tu as fait un gros dodo? C'est ton doudou? Tu as fait dodo avec un doudou? Avec ton doudou? Oh oui, il y a des étoiles sur le doudou! Oh, tu lui fais un câlin! Deux doudous, tu fais les deux câlins du coup? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il a des piles! Ah. Est-ce que tu as fait un gros dodo? C'est un doudou dessus? Je comprends pas avec ta tétine. Un doudou. Oui, la tétine c'est pour faire dodo, Gabin. Un doudou. Ma. Qu'est-ce qu'il y a? Ma deux. Les mains? Bah oui, deux. Il a deux mains. Allô. Tu chantes? Pendant la sieste de Gabin, du coup, j'en ai profité pour ranger la salle de bain. Je sais pas si je voulais déjà vlogger en fait ici. Voilà, du coup, je me suis dit que j'allais vous la montrer. Donc, ici, on a un meuble qui vient de chez Amazon, enfin de sur Amazon. Hein, et franchement, je l'adore. Celui-là, il est magnifique. C'est pas forcément un meuble de salle de bain, je crois que c'est un buffet de salle à manger, mais quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur et je le voyais bien dans la salle de bain. Donc dedans, on peut ranger toutes les serviettes, on a des bacs avec des produits en pharmacie, etc. Enfin, tout est bien rangé dedans. Là, ce panier-là, il vient de chez Jiffy. Ici, la baignoire, du coup, j'ai mis un petit tabouret comme ça que j'avais eu chez Action il y a plusieurs années. Ça fait vraiment pas mal d'années que je l'ai, celui-ci. Là, c'est pour ranger les jouets de Gabin, ici. Alors, on l'a eu en cadeau, cette grenouille. Du coup, je saurais pas vous dire d'où elle vient, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique parce qu'on a juste à la prendre, à verser ses jouets dans l'eau. Et puis après, voilà, on raccroche. Alors ensuite, cette table à manger, je pense qu'on va bientôt s'en débarrasser. On va la rendre à ma copine qui me l'avait prêtée parce que Gabin ne s'en sert plus. Clairement, quand il sort de l'eau, on a un tapis ici, il est debout sur le tapis, je l'essuie, je l'habille debout, quoi. Donc, plus besoin de table à manger. Ici, on a la douche. Hop. Et puis, là, on a le meuble de salle de bain que Greg avait fait lui-même à la main avec son copain. Donc, ils ont fait ça à deux avec son pote. Je trouve vraiment super cool, quoi. Enfin, il est hyper costaud, c'est du bois très costaud. Et du coup, dessus, on a mis deux vasques noires qui sont quand même assez salissants, faut le dire. Et par contre, je voudrais changer les robinets parce que les robinets, c'est en fait... Tu veux faire tes dents? Bon, on va les faire ce soir, là, on va aller goûter. On va aller manger une banane. D'accord? Tu veux pas une banane? Tu veux faire tes dents? Donc je disais, ce qui est chiant, c'est que c'est en fait une gouttière comme ça au-dessus et l'eau ici est très calcaire. On n'a pas d'adoucisseur d'eau. Du coup, tout est incrusté là. Enfin, tout cal. J'arrive même plus à ravoir le calcaire. Donc j'aimerais changer les robinets et j'aimerais mettre des robinets couleur or. Donc je sais pas du tout où je peux trouver ça, mais du coup je cherche des robinets dorés. Voilà. Et là mon porte-bijoux qui vient d'une petite boutique sur l'île qui n'existe plus, je pense pas. Et le petit panier pour mes produits que j'utilise en ce moment, donc de chez Jiffy. Et du coup, ben dedans, je range mes produits avec des paniers. Hein. C'est des paniers et du coup, ben, ranger est un grand mot parce que il faut que je fasse un tri aussi là-dedans, je l'avoue. C'est ta nouvelle place pour jouer, là? Hein? Oh, la roue, elle est cassée? Elle est où, la roue? Fais-moi voir. Mais il n'y a plus de roue. Elle est où, la roue? Elle est cassée? La roue. Elle est par terre? Ici, elle joue avec ta voiture.
fais un bisou à Izzy? Oh, tu es gentil, gamin. Oui, maman. Et maman? Et maman? Maman. Tu veux donner ma main? Tu veux donner la main à Izzy? Tiens, Izzy. Izzy, va avec gamin. Va avec gamin. Oh, c'est super bon, c'est super bon.